Bonjour à toutes et à tous, c'est Kobargourou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans Endless Space 2 et je viens de passer le tour 100. Donc, j'ai pas mal avancé sur des petites choses, j'ai récupéré des nouveaux vaisseaux que j'ai déjà augmenté en utilisant le titane et l'hyperium. Même si je suis un peu limite en hyperium là, mais bon, il coûte pas trop cher. J'en ai mis quelques-uns en production, le problème c'est que j'ai encore trop de choses. Alors, bon, j'y arrive, c'est dur hein. Qu'est-ce que ça a mis comme temps pour y arriver? Je sais pas ce que je fais de différent, j'ai pas l'impression de faire des choses vraiment différentes de par rapport à la campagne United Empire, mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Je pense que le plus difficile en fait, c'est parce que je ne peux pas coloniser tous les systèmes que je veux à cause de l'argosie qui met un temps fou à se créer. Donc, vous voyez que logiquement, voilà, j'ai passé tous mes systèmes en colonie de niveau 2. L'argosie est là. Je perds encore de la brume. Alors, il y a beaucoup où est-ce qu'ils sont? Voilà. Vous voyez, agence de xénotourisme qui sont en train d'arriver. Le supermarché intergalactique. Hein, enfin bon, tout ça. Mais ça prend beaucoup de tours. Parce que je suis à sec au niveau des ressources. Alors là... Bon, voilà. Point de commandement. Donc je vais pouvoir augmenter un petit peu et puis j'ai récupéré un module d'armes. Alors, qu'est-ce que je fais moi? The wrath of the church is feared by all. I wonder why you in... Voilà. Bon. J'ai mis en place certaines choses. C'est pas mal. Ça va pouvoir augmenter mes productions un petit peu. Parce que, ouais, on a des systèmes. C'est bien d'avoir une dizaine de systèmes. Mais encore faut-il. Oui, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, 9 sur 10. Mais encore faut-il avoir des systèmes remplis. Regardez, j'ai qu'une planète sur Columba. J'arrive pas à avoir un plus. Gano, c'est pareil. Bon, Gano, j'ai pas les deux autres. Il faut que je travaille dessus. Il me faut des technologies. Mais Gobris, ça fait des lustres que j'y suis sur Gobris. Eh ben, j'ai toujours pas. Parce que Gobris 4 est là. Ça fait 25 tours que j'y suis dessus. C'est hallucinant. Et regardez, c'est Gimus. Je vais avoir 3 planètes à coloniser, mais elles sont là, elles arrivent dans 40 tours. C'est fou. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc ça, je suis content parce que je voulais le faire ça. Voilà, je suis passé à 13. Oh ! Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours. Et je suis obligé d'attendre 5 tours pour le portail. Ça m'énerve. Parce que j'ai eu une quête où je dois protéger Electra, donc je veux renvoyer ma flotte ici, mais pour le moment je peux pas. Cool. De l'hyperium, on en a toujours besoin. Bon. Je peux même pas les fusionner. Ça c'est chiant. Ah si j'ai. Pour les fusionner, il faut que je démantèle. Donc de toute façon je touche pas parce que elle est trop puissante. Donc j'y touche pas. On va tenter le coup de se mettre à produire des vaisseaux. J'espère que là bientôt ça va arriver parce que.
Je l'enlève ça. Pour le moment, je l'enlève. C'est pas l'urgence. J'arrive à générer... J'arrive à générer suffisamment de science. Donc pour le moment, c'est pas un souci. Par contre, ouais, j'ai vu un truc et... Et ça m'emmerde parce que je peux pas le faire. Il est beau ce truc. Soyez le premier à voter une loi de chacun des 6 partis politiques du début. Je suis à 3 sur 6. Le problème, c'est que donc, il faut que je supprime des lois existantes. L'oracle de la science, je peux pas. Je peux pas y toucher. Automatiquement activé. Moins de 10% coûte d'amélioration du système en industrie. J'en ai besoin. J'en ai besoin d'urgence, si je veux dire. En ce moment, je peux pas faire autre chose. Et celle-là aussi. Plus 10 par P sur système, plus 20 par alliance sur système. Regardez. Il n'y a qu'ici. Il n'y a que à Columba où je ne suis que 77%. On peut tenter le coup, hein, mais... Et le pire, c'est que... J'ai rien d'autre à voter. Vous voyez, indépendant, donc j'ai voté une loi pacifiste, j'ai pas de, il me faut arriver à trouver autre chose, donc au final la loi amour elle est bonne, les points de déplacement pour les vaisseaux c'est moins important maintenant. Alors effectivement vous voyez, moins 45, je perds un peu d'influence à chaque tour. Mais j'en ai 3800, donc pour le moment, ça va, c'est bon, pas trop grave. Voilà, chantier naval. Donc 2 sur 4. Ça veut dire que il faut que je construise des chantiers navaux ailleurs aussi. Rente 4 tours, mais oh bordel, mais Columba, c'est la galère. Ça. Je l'ai mis à deux endroits, ça devrait suffire. Peut-être ici plutôt. Voilà. C'est pas mal ça. Alors, où est-ce que je l'avais mis? Que j'ai pas l'utilité au final. Il est toujours pas arrivé. Bon, ben lui, il a terminé dans le coin, donc on va l'envoyer sur cette ligne. On va voir jusqu'où il va. Parce qu'il y a encore des factions, des empires que je n'ai pas rencontrés. Eh ben, ça n'arrête pas, hein. Ah, ce système là, je vais pas dire qu'à chaque tour je découvre des nouvelles curiosités, mais ça devient fou quoi. Bon, l'Argosy, elle en est où? Encore un tour. Oh là 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 là. Alors je vais pas pouvoir. Je vous avais dit précédemment que je voulais coloniser Bellatrix. Eh ben je peux pas. Je peux pas parce que je me suis tapé donc cette mission où je dois coloniser ici. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le cercle avec l'info là qui apparaît. Ça fait partie des quêtes.
Voilà, créer un avant-poste sur la planète Pixis 4. Je peux pas. J'ai pas de vaisseau colon. Ils sont gentils, hein, mais les exilés, ils fabriquent pas de vaisseau colon. Vous voyez, exploration. Protecteur. Attaquant. Donc ça, c'est le second protecteur. Et ça, c'est les deux nouveaux. Chasseur et coordinateur. Eh, c'est pas mal, hein, 1734. Bon, je sais, c'est pas la peine, hein. C'est des tailles moyennes. On n'est pas encore sur les gros vaisseaux. Ils vont arriver dans très longtemps. Enfin, je suis content de ce côté-là. Dès que je vais pouvoir en sortir quelques-uns, ben, ça va pouvoir me renforcer mes flottes. Allez, je passe encore un ou deux tours, on va voir. Parce que pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, énergie à fusion avancée. Module d'armes cinétique. Donc je vais pouvoir commencer à utiliser mon titane. Même si j'en ai un peu moins. L'argosier est prête. Ah. Alors. Qu'est-ce qu'on lui met? Ah, j'avais oublié de lui donner le premier point. Ah non, il a pris deux points d'un coup, lui. Eh ben. T'es un petit filou, toi. Ouais, supermarché intergalactique. Jadonix. Et 50 de production de science. C'est cool. Oh là là, encore un mastodonte. Non mais ça va pas du tout ça. Ah, elle est pas encore en orbite. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Et où est-ce que je l'envoie? Ah oui, j'avais dit que je voulais l'envoyer là, mais... Alors, il m'a dit que l'argosie était prête. Oh là là. Bon, heureusement que l'argosie va vite, hein, mais... Deux tours. Regardez ça. Elle arrive déjà là. Ah. Je vais bientôt prendre un... Ah non, il n'y a rien là. Ah si, voilà. Ce point doit se trouver dans votre zone d'influence. Je suis pas loin, je suis pas loin. Dépêche-toi un peu. Plus 25% d'expérience supplémentaire sur la flotte. Moins 50 de dégâts des armes énergétiques sur vaisseau. Et plus 10 de chaque. On le prend de suite. Hein. Et puis il y a celui-là. Mais vous voyez, voilà. Parce que Gobris, j'ai toujours pas sorti. Ah ben ça aussi, en fait, j'aurais pas dû le prendre. Hein. Tant pis. Pourquoi je peux pas l'annuler? Ah. Colonisation, chantier naval. Voilà, donc 3 sur 4. Il m'en reste plus qu'un. 3 tours. Ah là 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 là. Mais c'est l'enfer. C'est un enfer. Les amis, c'est un enfer.
Il va me faire attaquer. Non mais c'est pas possible ça. Tu pouvais pas filer direct, non? Pourquoi tu t'arrêtes en plein dessus? Détruire 4 planètes. Oh la vache. Oh bah merci. Je prends. Qu'est-ce que tu viens faire toi là? Non mais dis donc. La mercurite. Bon, alors. Qu'est-ce que j'ai au prochain coup? Voilà, classe lance. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh bah en fait, voilà, j'ai gagné que ça. Oh, oui, 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 ça donne un peu plus de défense. Ça a quand même un coût, hein. Pas grand chose de plus. Ah si 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 si. Ouais. Ah ouais. 26. Bon bah, il va falloir que j'augmente un peu ma production de titane et d'hyperium, hein, parce que c'est trop joli, c'est trop beau. Et alors par contre j'ai un petit souci, c'est que les deux vaisseaux, eh ben ce sont des vaisseaux, vous allez voir. Tous les deux. Tous les deux des vaisseaux projectiles. Bon. Alors, par contre, bah, il faut que je fasse le tour des planètes où j'ai mis en place. Puisque c'est plus des deux que j'ai maintenant, c'est les trois. Voilà, donc je suis à court de ressources. Puisque vous savez que au fur et à mesure que vous les mettez, ça prend. Vous voyez, les quatre là, ils y sont parce que j'avais les ressources. Il me coûtait 11 et 4. Alors, j'ai fait une boulette. C'est une demi-boulette. Il s'avère que, vu que j'ai récupéré un peu d'hyperium et j'avais récupéré un peu de titane aussi, je suis allé monter les niveaux du Knarr et du Carve. Vous voyez, je suis passé en 3 et 4. Mais pour ça, il m'a fallu sortir mes flottes des corsaires. Et au moment que je l'ai fait, ben voilà. Le zozo, il m'attaque.
Donc lui il est énergie et moi je suis projectile. Logiquement je devrais y arriver hein, mais bon. On va voir. Ah carrément. Eh ben maintenant je peux faire ça donc. Ah je peux pas, j'ai pas assez d'argent pour réparer. Oh là bordel. Donc 8. Eh ben voilà, on fusionne le tout. Et oui, je peux pas la mettre en corsaire. Ouais, parce que j'ai un héros. Bon, on s'en est sorti. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Plus 10% de dégâts des armes à projectiles. Plus 10% de points de vie. Bon, allez, on rajoute un peu de dégâts. Bon, ils sont où? Il n'est pas arrivé. Voyez, l'argosy, bam. Un point de voyage, je suis déjà arrivé. Et j'aurais pu la réparer d'ailleurs. Mais non, j'ai peu de sous. Et oui, et j'ai pas de sous. Et donc je peux même pas. Oh, c'est la galère. Bon, qu'est-ce qu'elle veut encore? Oh, tu me fatigues. For what reason do you interrupt our crusade? Non. Mais comment ça se fait? Mais vous vous foutez de ma gueule. Pourquoi elle me remet de la pression alors que c'est moi qui viens de l'écraser? Non mais ça va pas, c'est pas sérieux ça. Regardez, j'ai repris la tête au niveau des points. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais le jeu des fois il déconne. Hein. Alors par contre je peux pas l'attaquer parce qu'elle a un mastodonte. Mais moi j'en ai toujours pas. Puisque mon mastodonte à moi, il est loin. Il est loin de sortir. Ouais. Non, je pensais que ce serait un plus beau vaisseau que ça. Eh ben, beaucoup de transliane. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tandis que votre flotte première familiale infatigable se met en orbite dans le système, un étrange écho apparaît au radar. Votre équipage regarde avec fascination l'antique vaisseau habité par une espèce bipède traverser les senseurs de votre flotte. Un nouveau scan révèle qu'il s'agit d'un vaisseau de colonisation antique, un vaisseau subluminique habité par des pionniers préservés par cryogénisation. Augmenter l'idéologie pacifique ou multiplier par zéro sur vaisseau de cœur. Qu'est-ce que ces conneries? Avec les techniques de scan avancées de votre flotte, vous pourriez les suivre et accéder aux ordinateurs de bord du vaisseau. Cela ne vous regarde pas. Et puisque tout le monde dort, personne ne vous en voudra. Qu'est-ce que je fais, moi? Bon, allez. On est joueurs. On verra bien ce qui se passera. On verra bien ce qui se passera. Bon, bah allez. En avant, hein. Va te balader un petit peu, toi aussi. Voilà. Donc le système des oranges. Ah bordel. Je manque de tout. Je manque de tout. Bon, ben je vais bosser un peu hein, pour rectifier un peu tout ça. Et puis j'espère que mes vaisseaux nouveaux vont bientôt sortir pour qu'on puisse augmenter la taille des flottes. Et donc lui, voilà. Classe lance. Donc là, je devrais taper les gros vaisseaux, sachant que l'objectif c'est de faire un mastodonte. Puisqu'avec un mastodonte, on devrait arriver à écraser tout le monde. On verra bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'Endless Space 2. Amusez-vous, je vous prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Salut, bye bye.